C'est une situation banale, du cul pour beaucoup d'entre nous. Le lendemain de la première nuit entre deux êtres humains. Des signaux électrochimiques sont échangés dans leur cerveau de manière inconsciente, à la recherche de réponses. L'amour est le domaine dans lequel nous sommes le plus assujettis aux automatismes de notre cerveau. Ils ont des papillons dans le ventre, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent même pas encore vraiment qui est la personne avec laquelle ils viennent de se réveiller. Les décisions que nous prenons ne sont pas guidées par des pensées conscientes. Et surtout pas les décisions importantes, comme par exemple le choix d'un partenaire. On dresse une liste de pour et de contre. La liste des contre est très longue, et malgré cela, on décide de se lancer dans une relation avec telle ou telle personne. Voilà pourquoi je prétends que nous sommes gouvernés par notre inconscient. La conscience est une sorte de clap de fin qui se manifeste lorsque tout est déjà joué. Un tour de passe-passe diplomatique de notre cerveau pour nous faire croire qu'on a encore notre mot à dire. La côte ouest de l'Irlande. Une journée de travail comme les autres pour Mickey Smith, photographe de surf. Aucun ordinateur au monde ne pourra jamais faire son job, car le milieu dans lequel il travaille est en perpétuel mouvement. Les marées modifient son univers en permanence, et aucune vague ne ressemble à une autre. Ce qui aide Mickey à s'orienter dans ce monde en déferlement constant est un petit prodige que les scientifiques commencent tout juste à comprendre, l'intuition humaine. Tout comme les surfeurs qu'il photographie, Mickey ne réfléchit pas aux masses d'eau qui déferlent autour de lui. Son cerveau a mis en place des automatismes totalement inconscients, incroyablement rapides, qui calculent bien avant lui ce qui va se passer et comment ses muscles sont censés réagir. Le cerveau de Mickey a comprimé toutes les vagues qu'il a rencontrées dans sa vie dans une gigantesque banque de données. Il a un feeling indicible pour chacune d'entre elles. Un surfeur sait que si une vague arrive comme ça, alors il se passera probablement ça et ça. Nous vivons dans un monde totalement imprévisible. Et si nous devions vivre en permanence de façon pleinement consciente et concentrée, nous serions complètement dépassés par les événements. Matthias Brandt est professeur à l'université de Duisburg-Essen. Il décrypte les messages de notre inconscient qui sous-tendent chacune de nos décisions, sans que nous nous en doutions. Dans le test dit du casino, des volontaires doivent choisir des cartes disposées sur quatre piles. Pendant ce temps, un appareil mesure les sécrétions de sueur de leur peau, des réactions de stress, comme pour un détecteur de mensonges. Le test comporte de bonnes piles, qui rapportent régulièrement de petits gains, mais aussi de mauvaises, où les pertes importantes sont fréquentes. Petit à petit, le sujet développe une sorte de prédilection pour les bonnes piles. Mais ce n'est qu'au bout de 80 cartes qu'il peut expliquer pourquoi. Son cerveau, en revanche, en sait plus que lui dès la 10e carte. Bien avant qu'il ne clique sur une mauvaise pile, Brandt enregistre des réactions de stress. Notre cerveau a donc 70 cartes d'avance sur nous. En fait, avant qu'on ait une vague intuition ou même conscience de ce qui est bon pour nous,
Des signaux corporels nous mettent en garde contre de mauvaises décisions. Ces signaux corporels indiquent que notre cerveau est fébrile. Ils n'émanent pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions. C'est vexant de penser qu'au bout du compte, nous sommes des marionnettes entre les mains de notre inconscient. Et que quand nous changeons notre façon d'agir ou de penser, c'est uniquement parce que notre inconscient a décidé que nous devions penser ou agir autrement. Même ces pensées-là nous sont imposées par notre inconscient. Nous ignorons pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Si nos cerveaux rejouent des scènes de notre enfance, ou une publicité pour adoucissant, et tout cela alors que nous devrions être au travail depuis longtemps. Notre inconscient a souvent le dessus sur notre réflexion. Car réfléchir fatigue notre cerveau. Cette activité se limite donc à quelques centres de calcul situés dans le cortex cérébral. Une couche très fine de tissu nerveux qui gaine notre cerveau comme un bonnet de bain un peu plissé. Notre intelligence consciente est principalement localisée dans la zone frontale de notre cerveau et ne peut pas gérer plus d'une pensée ou cinq unités d'information à la fois. Le centre de décision conscient est plutôt situé au-dessus de nos yeux, dans le cortex orbitofrontal. Mais il ne décide pas tout seul. Car une autre forme d'intelligence est à l'œuvre dans notre cerveau, en dessous du cortex cérébral, l'hippocampe, qui stocke toutes nos expériences. Dans le meilleur des cas, nous nous souvenons de façon consciente de bribes de souvenirs. Une bataille de pelochon, un moment de plaisir ou une crise d'étouffement. Or, ce dont nous nous souvenons détermine ce que nous faisons. Plusieurs centres de coordination jouent un rôle décisif en la matière. Le centre de la peur et de la panique, situé dans les noyaux amygdaliens, et ses adversaires, les centres du plaisir et de la récompense. Tous échappent à notre contrôle conscient, mais ils ont toujours le premier et le dernier mot. Tels des agents secrets, logés dans nos têtes, ils analysent chaque signal extérieur avant même que nous en ayons conscience et traduisent le résultat par un sentiment. C'est exactement ce que le cerveau de Martha est en train de faire. Le cortex cérébral reçoit les informations condensées, mais il ne parvient pas à savoir d'où elles viennent. Nous sommes apparemment faits ainsi que notre conscience nie purement et simplement toutes les influences inconscientes. Notre réflexion consciente, en revanche, n'est pas à court de bonnes raisons pour justifier notre goût pour les batailles de pelochon. Notre cerveau primaire n'a pas été jeté aux orties avec l'avènement de la conscience chez les êtres humains. La conscience est venue, pour ainsi dire, se greffer dessus. Et elle a dû apprendre à fonctionner avec notre inconscient. C'est dans la nature de l'évolution de procéder par étapes. Le nouveau cerveau n'est pas arrivé tout d'un coup. L'ancien est toujours là, et même s'il paraît archaïque, il a encore beaucoup d'influence. Nous avons fait des études scientifiques très poussées pour savoir à quelle vitesse notre cerveau arrivait à prendre des décisions complexes. Et la réponse est 230 millisecondes, donc incroyablement vite. Avant même que vous ne commenciez à réfléchir à quelque chose de façon consciente, inconscient a déjà décidé ce qui est bon ou mauvais pour vous. Vol d'entraînement des pilotes de chasse de l'escadron Richthofen, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Les jets F4 Phantom peuvent voler à deux fois la vitesse du son. Les pilotes sont écrasés dans leur siège par une force neuf fois supérieure à la gravité terrestre. Ces hommes doivent absolument être dotés d'antennes particulièrement sensibles aux informations véhiculées par leur inconscient. Le plus dur, c'est d'arriver à savoir ce qu'on peut encore faire avec l'avion à tel ou tel moment. Quelles sont les marges de manœuvre qu'il nous reste? Dans un combat aérien, on en arrive parfois à se demander si on peut encore abattre l'ennemi ou s'il ne vaut pas mieux se replier. Et en quelques fractions de seconde,
on doit décider de faire ceci ou de ne pas faire cela. Et en fait, c'est ça le plus difficile. Le simulateur de vol de la base aérienne de Wittmund. Même les pilotes chevronnés viennent s'entraîner ici régulièrement. Car ce que nous appelons l'intuition n'est pas un don inné. Elle s'appuie en fait sur l'expérience et d'innombrables répétitions. Plus les pilotes et les officiers des systèmes d'armes simulent certains processus complexes, moins ils dépensent d'énergie pour les réaliser. Le cerveau d'un expert utilise une toute petite partie de l'énergie dépensée par celui d'un débutant, parce qu'il n'a plus besoin de penser à tout de façon consciente, ce qui, en situation de crise, le rend réceptif à des détails qui peuvent s'avérer vitaux. Vous avez peut-être remarqué ces changements, mais imaginez qu'au lieu d'être assis devant votre téléviseur, vous vous trouviez dans un avion de combat américain. Guerre d'Irak, 28 mars 2003. Les marques oranges doivent vous permettre de différencier alliés et ennemis. Mais vous allez les prendre pour des lance-roquettes ennemis, parce qu'on vous a dit et redit qu'il n'y avait pas d'alliés dans la zone de combat. Votre nom de code, Popov 36. Popov 35 vole juste à côté de vous, et dans quelques secondes, vous allez tuer un soldat britannique. On dirait qu'il y a des marquages oranges. Il y a des alliés dans le secteur ? Confirmation. Pas d'alliés aussi loin au nord. Ok, alors ce sont des lance-roquettes ennemis. Ce sera bien de les détruire. Vas-y ! Dans le mille. Popov 34, interrompez votre mission. On dirait que vous avez tiré sur des alliés. Putain de merde. Demande confirmation. Il y a des alliés de ce côté du canal? Merde. Putain. Je me sens pas bien. On l'a dans l'os. On est bon pour la tôle, mec. Bon sang, putain de merde. Beaucoup de processus dans notre cerveau s'effectuent avec une telle rapidité qu'on n'a même pas, ne serait-ce que l'illusion de contrôler quoi que ce soit. Ces processus de calcul hyper rapide sont aussi très performants. Si notre pensée consciente était capable de trouver d'aussi bonnes solutions, on pourrait s'estimer heureux. Mais ce n'est pas parce que l'inconscient travaille très vite qu'il est irrationnel ou négligent. Dans le flot ininterrompu de données qui nous entourent, notre cerveau accomplit de véritables prouesses, mais il commet aussi des erreurs à chaque niveau. Nous avons du mal à nous rendre compte des erreurs inconscientes, car elles nous influencent à notre insu. L'une des plus grandes sources d'erreurs vient du fait que notre cerveau est programmé pour établir constamment des connexions, même là où il n'y en a pas. C'est pour cette raison que vous comprenez ce documentaire. Parce que votre cerveau déduit de cette scène que Jack et Martha sont sortis du lit. Mais vous êtes loin de vous douter de tout ce que votre cerveau vous fait avaler. Vous avez répondu 843. Votre cerveau vous a imposé un nombre à trois chiffres parce que juste avant, vous avez donné les trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
Les experts appellent ça l'effet d'amorçage. Un phénomène auquel nous sommes soumis en permanence. Nous tombons amoureux de quelqu'un avec qui nous venons de vivre quelque chose de passionnant. Nous dépensons davantage d'argent lorsque, juste avant une vente aux enchères, nous pensons à un chiffre élevé. Et cet effet d'amorçage peut nous frapper jusque sous la douche. Nous avons découvert que plus une personne est seule, plus elle se douche ou prend des bains souvent, plus elle aime que l'eau soit bien chaude et plus elle reste longtemps au contact de l'eau. Ce qui signifie que les personnes seules remplacent la chaleur sociale qui leur manque par la chaleur physique. Et ce phénomène a de multiples variantes. Ça peut être un bon feu de bois dans la cheminée ou juste une boisson chaude. À Yale, John Bark démontre le pouvoir de notre inconscient grâce à des études que l'on pourrait qualifier de ludiques. Il a ainsi découvert que nous trouvons les gens plus sympathiques quand nous faisons leur connaissance autour d'une boisson chaude et qu'ils nous semblent plus froids lorsqu'on a une boisson fraîche entre les mains. John Bark est l'expert mondial de l'effet d'amorçage, ce qui ne le protège pas de ce phénomène pour autant. Personne n'est à l'abri de cet effet. Notre environnement et le passé immédiat influencent tous nos actes. Dans un monde aussi complexe que le nôtre, c'est la plupart du temps fort utile. Mais Bark a constaté qu'après un test de langage contenant les mots « ride »,« gris » ou « appareil auditif », ses étudiants se dirigeaient vers l'ascenseur beaucoup plus lentement. Nous avons fait asseoir certaines personnes sur des chaises assez dures, d'autres sur des chaises rembourrées, et nous les avons laissées négocier. Celles assises sur les chaises dures ont négocié plus âprement. Elles se sont montrées moins conciliantes que celles assises sur des chaises rembourrées. Par ailleurs, les personnes qui tenaient un porte-bloc-notes avaient tendance à trouver que les candidats qu'elles devaient évaluer étaient plus sérieux. Le sentiment de bonheur que le photographe de surf Mickey Smith éprouve lorsqu'il regarde la nature est lui aussi imputable à son inconscient. Personne ne sait pourquoi nous sommes submergés par les hormones du bonheur quand nous sommes avec des dauphins, ni pourquoi traverser le rouleau d'une vague est aussi enivrant pour les surfeurs. Face aux gigantesques vagues qui s'abattent sur cette côte irlandaise, on comprend que la lumière de nos pensées n'est qu'un petit tunnel dans l'océan de notre esprit. Notre raison n'a pas beaucoup d'influence sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Le terme d'intuition fait en général référence à nos sentiments. On sent d'instinct qu'une chose est bonne ou mauvaise pour nous. Ces sentiments subjectifs sont extrêmement importants, car ce sont les signaux que notre cerveau nous envoie pour nous dire si nous devons ou non faire telle ou telle chose. Que nous tombions amoureux ou que nous rattrapions une balle, nous apprenons de nos expériences. Et souvent, nous ne savons même pas ce que notre cerveau a enregistré. Quand nous rattrapons une balle, la plupart d'entre nous ne savent pas ce qu'ils font. Nous nous contentons de ressentir la balle. Sans y réfléchir, notre cerveau nous fait courir de façon à ce que notre angle de vue sur la balle soit toujours le même et que nous soyons au bon endroit pour la rattraper. Mais la règle d'or qui nous fait agir ainsi échappe à notre conscience. Admettons que nous devions coordonner de façon consciente chacun de nos mouvements lorsque nous jouons à la balle. La partie tournerait vite court, car notre cerveau brûle autant d'oxygène et de sucre que nos muscles. Lorsque notre inconscient prend le relais, nous ne savons plus pourquoi nous faisons ce que nous faisons, mais tout nous semble facile. Et c'est pour cette raison que nous avons du mal à nous écarter de nos habitudes. Janvier 2009.
Suite à une panne de réacteur, le vol US Airways 1549 termine sa course dans la rivière Hudson. Cet amerrissage d'urgence a été décidé par Chesley Sullenberger, au détriment des consignes d'usage. C'est à l'intuition de cet ancien pilote de chasse que les 150 passagers de l'avion doivent leur vie. Le 16 juillet 1969, le monde entier se passionne pour l'une des plus grandes aventures de l'humanité, le lancement de la mission spatiale Apollo 11. Elle aurait probablement échoué sans l'intuition du commandant Neil Armstrong. L'ordinateur de bord aurait fait se poser le module lunaire dans la profondeur d'un cratère si Armstrong, lui aussi ancien pilote de chasse, n'avait décidé au dernier moment de passer en mode manuel. Sans l'inspiration d'Armstrong, le module lunaire n'aurait probablement pas pu retourner à la capsule de commandement. Mais parfois, une intuition peut aussi être mauvaise et conduire à l'échec. La créativité est un acte de rébellion. Il faut être subversif pour briser les règles et aller contre les conventions, n'est-ce pas? Déjà par définition. Quand tout le monde accepte ce que vous faites, alors vous n'êtes pas un précurseur. Vous vous contentez de reproduire des anciens modèles. Moi, si tout le monde était d'accord avec mes travaux scientifiques, je me sentirais à côté de la plaque. Je ferais mieux d'aller à la plage plutôt qu'au labo. Sydney, Australie. Patrie d'adoption du neurobiologiste new-yorkais Alan Snyder. Si vous connaissez la ville, alors ces images déclenchent dans votre cerveau toute une série d'associations. Vous ne voyez pas seulement des vues aériennes, vous voyez ce que vous connaissez. Et même si vous n'êtes jamais allé là-bas, vous pensez peut-être aux Jeux Olympiques, à Crocodile Dundee, à l'opéra ou au kangourou. Alan Snyder est spécialiste de ce qu'il appelle nos mindsets, des routines de pensée inconscientes qu'il cherche à déconnecter. Dans son laboratoire, Snyder demande à des personnes test de résoudre plusieurs équations. Pour rétablir une équation, le sujet est autorisé à déplacer une seule allumette. Chaque personne test doit résoudre 27 équations. Et à chaque fois, la solution suit le même principe, sauf pour la dernière équation. Okay, let's do another. 2 equals 10 minus 13. India comprend assez vite qu'elle doit toujours remplacer un 10 romain par un 5, ou inversement. Même si pour cette équation-là, la solution se fait un peu attendre. Son cerveau a déjà commencé à identifier un modèle. Mais elle va échouer à la dernière. Car pour cette équation, elle doit trouver une autre solution. Problème ? India est déjà aveugle à toute nouvelle idée. Même après 6 minutes de réflexion, elle n'a toujours pas la solution. Selon Snyder, l'expertise entrave la créativité. Mais il a trouvé un moyen de la débloquer. C'est fascinant, non? On augmente la créativité, non pas en stimulant certaines parties du cerveau, mais en les débranchant.
Pendant 5 minutes, le cerveau d'India va être soumis à des impulsions électriques censées déconnecter une zone bien précise du lobe temporal gauche et en stimuler une autre dans le droit. Si tout se passe bien, India sera ensuite capable de résoudre l'équation. La grande moyenne des personnes testées s'est montrée bien plus créative après 5 minutes de ce traitement. Je pense que dans 20 ans, qu'il soit pharmaceutique, électromagnétique ou d'une autre nature encore, nous disposerons d'un mécanisme artificiel qui nous permettra de voir le monde d'un œil neuf. Et ce sera merveilleux, sur tous les plans, pas seulement pour le progrès scientifique ou pour écrire des poèmes, mais pour se défaire des préjugés de toutes sortes. Imaginez un peu, on pourrait voir chaque personne telle qu'elle est vraiment. Pour survivre dans un monde complexe, nous avons besoin de préjugés, de routines. Comme un GPS interne, des systèmes de filtres inconscients nous guident à travers le chaos du quotidien moderne. Et lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau met tout en œuvre pour nous empêcher de voir l'autre tel qu'il est. D'un point de vue purement scientifique, être amoureux, c'est avant tout être stressé. Dans ce cas de figure, notre amygdale s'active. Or, cet organe responsable du sentiment de peur se déclenche traditionnellement lorsqu'un danger nous menace. L'amygdale nous place en état d'alerte, d'où l'agitation ressentie quand nous sommes amoureux. Dans le même temps, l'état de panique nous rend aussi un peu aveugles, ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas vraiment les défauts de notre partenaire. Parallèlement, les centres du circuit de la récompense réagissent eux aussi. L'endorphine, un opiacé naturel sécrété par l'hypothalamus, nous rend complètement euphoriques. Tout comme la sérotonine, produite par le tronc cérébral, et grâce à laquelle notre humeur est au beau fixe. Ce cocktail agit comme une drogue. Pendant cette phase de la relation, nous sommes comme en état de manque lorsque l'être aimé est absent. L'amour rend accro et indulgent, même quand l'homme de notre vie ne nous tend pas de petit pain. Car pendant que notre cortex cérébral et donc notre conscience barbotent dans les drogues du bonheur, l'hypothalamus ordonne la production de cortisol, l'hormone du stress, qui rétrécit notre champ de vision lorsque nous sommes menacés ou amoureux. Au tout début d'une relation amoureuse, nous sommes donc facilement manipulables, car sur le plan neurologique, nous sommes dépendants, aveugles et stressés. Et nous commençons même à nous ressembler. Grâce à la testostérone. Étonnamment, l'hypothalamus et la thyroïde réduisent la production de cette hormone sexuelle mâle chez les hommes amoureux, alors que les femmes amoureuses en produisent davantage. Nos cerveaux ne s'habituent que lentement à cette ronde hormonale. La drogue fait donc effet plusieurs semaines, voire des mois. On est comme scotchés l'un à l'autre. Pendant cette phase, nous assurerions très certainement notre descendance, si des cerveaux humains n'avaient pas inventé la contraception. Au bout de 6 à 9 mois, l'effet d'ivresse commence à s'estomper. Mais si tout va bien, nous sommes déjà sous ocytocine, une hormone qui favorise le sentiment d'attachement. Elle est également sécrétée par la glande thyroïde pendant l'orgasme, et aussi chez les femmes qui allaitent. L'ocytocine ne génère pas de stress, mais l'empathie et le sens du sacrifice. Elle nous pousse donc inconsciemment vers une relation durable. Même si notre conscience rejette catégoriquement ce genre d'idées. Hélène Fischer est professeure d'anthropologie. Elle étudie les cerveaux amoureux grâce au tomodensitomètre. Elle vit à New York, mais même dans la métropole de la modernité, les êtres humains sont guidés par des circuits électrochimiques totalement automatiques et préhistoriques. Tous deux danseurs, Rob et Sarah, sont en couple depuis plus d'un an. Et les travaux de la scientifique leur donnent bon espoir. Dans le cerveau des couples heureux, Hélène Fischer a découvert que les centres de récompense étaient encore très actifs, même au bout de 20 ans de vie commune. Mais pourquoi tombons-nous amoureux de certaines personnes et pas d'autres ?
Pour le savoir, Helen Fisher a interrogé 28 000 personnes. Et l'anthropologue en est aujourd'hui convaincu. Il existe quatre types de cerveaux dont les caractéristiques dépendent du niveau d'hormones présent dans nos têtes. Les aventuriers, dirigés par la dopamine, et les casaniers, gouvernés par la sérotonine, s'éprennent de partenaires du même type qu'eux. Les décideurs, pilotés par la testostérone, tombent en revanche amoureux de négociateurs conduits par les estrogènes. Et inversement. Mais nous n'en sommes pas conscients. Dans notre cerveau, des tas de processus inconscients sont responsables du fait que nous sommes automatiquement attirés par telle ou telle personne. Leurs vêtements nous renseignent sur leur classe sociale et leur niveau d'études. Leur énergie transparaît dans leur façon de bouger, leur attitude corporelle, et même les traits de leur visage trahissent leur niveau de testostérone et d'estrogène. Autant d'informations que notre cerveau traite de manière inconsciente. Notre cerveau prend des décisions bien avant qu'elles frappent à notre conscience. Mais en combien de secondes exactement? C'est ce que John Dylan Haynes tente de déterminer. Dans son laboratoire de Berlin, il analyse les décisions humaines grâce à un tomographe à résonance magnétique. Dans chaque zone où des neurones sont activés, la consommation d'oxygène augmente. Le tomographe permet de visualiser quelle zone s'active et à quel moment. Comme toutes les personnes testées, Martha va devoir faire une chose très simple. Je vais vous demander d'appuyer sur le bouton gauche ou le bouton droit, spontanément, au moment où vous le souhaitez. En laboratoire, nos décisions et donc notre libre arbitre sont réduits à une simple pression sur un bouton pour rendre visibles les modèles d'activité de notre cerveau. Une pensée aussi simple que celle-là fait déjà s'activer des millions de cellules nerveuses. Presser sur un bouton, c'est encore observable. Mais le résultat de tous les tests pratiqués est étonnant. Nous avons découvert que l'activité cérébrale montre quel choix la personne va faire 7 à 10 secondes avant la décision consciente. Il semblerait donc que notre cerveau programme à l'avance la décision et qu'au moment où soi-même on a le sentiment de décider, les jeux sont déjà faits. Au quotidien, nous ne remarquons pas tout ce que notre cerveau décide sans nous consulter. Car notre conscience ne peut pas détecter les influences inconscientes. Elle peut tout au plus y opposer sa réflexion après coup. Que ce soit pour choisir nos vêtements ou un partenaire, nos circuits électrochimiques totalement automatiques ont déjà décidé bien avant que nous commencions à réfléchir au problème. Vous venez de bâiller ? Le bâillement est contagieux, c'est un réflexe inconscient. Plus on imite le bâillement facilement, plus on ressent de l'empathie envers les autres. On lit des émotions dans chaque geste, sur tous les visages. Mais on ne sait pas ce qui pousse Jack et Martha l'un vers l'autre. Chez les personnes amoureuses, nous avons détecté de l'activité dans le noyau accumbens, une sorte de petite usine à hormones qui joue également un rôle dans les comportements d'addiction intense. J'ai toujours su que l'amour était une drogue, merveilleuse quand tout va bien, terrible quand cela se passe mal. Was ist denn dein eigentliches Problem? Muss es jeder mitkriegen? Muss es jeder hier hören? Même lorsque nous nous disputons avec la personne que nous aimons, des circuits inconscients sont actifs et enveniment le conflit, alimenté par les paramètres improbables. Quelquefois, les arguments sont moins importants que les chaises sur lesquelles on est assis.
Inversement, il suffit parfois d'une gorgée de thé chaud pour désamorcer une dispute ou d'un éclat de rire. Car nous rions non pas parce que nous trouvons les autres drôles, nous rions parce que cela nous rapproche. Nos cerveaux ont ri bien avant que nous sachions parler. Et aujourd'hui encore, nous réagissons étonnamment bien au rire. Quand le soir vous essayez d'inventer une histoire pour votre fille, certes vous y réfléchissez consciemment, mais en fait les idées vous viennent à l'esprit comme ça, au fur et à mesure. Vous pensez faire une expérience consciente, avoir le contrôle de vos idées. Mais si vous êtes honnête, vous devez reconnaître que la plupart d'entre elles ne font que transiter par votre conscience. Voilà pourquoi, pour moi, la question intéressante n'est pas de savoir ce qui est conscient et ce qui est inconscient, mais quels sont les processus qui aident notre cerveau à prendre les bonnes décisions. Dans son laboratoire de Pasadena, Antonio Rangel cherche à savoir pourquoi nous achetons ce que nous achetons. Et pourquoi nos cerveaux ressentent du plaisir quand nous mangeons ou buvons quelque chose. À l'aide d'un tuyau en plastique, il fait ingurgiter du vin à des volontaires placés dans un scanner. Rangel leur propose toujours le même vin, du Cabernet Sauvignon. Mais à chaque dégustation, le prix est annoncé aux testeurs. Tantôt 90 dollars, tantôt 10 dollars. Lorsqu'il est annoncé à 90 dollars, le cabernet fait s'activer une zone bien précise du cortex cérébral. Alors qu'à 10 dollars, il ne se passe pas grand-chose. Notre conscience prend acte du prix du vin, ce qui influence notre goût indépendamment de la qualité du breuvage. Quels enseignements les entreprises de l'agroalimentaire peuvent-elles tirer de ces tests? Qu'elles doivent faire attention à bien fixer leurs prix. Car ils influencent non seulement l'acte d'achat, mais également la suite. Si le consommateur achètera le produit, quel goût et préférence il va développer? Mais ce que notre étude montre avant tout, c'est que tout cela n'est pas une illusion. Notre cerveau ressent effectivement plus de plaisir quand il pense que nous sommes en train de boire un bon vin. Difficile à admettre, et pourtant, nous ne faisons pas nos courses de façon consciente. Un exemple, pourquoi les fruits et légumes sont-ils toujours placés juste à l'entrée d'un supermarché? Parce qu'avoir des aliments sains dans notre chariot calme les troubles faits qui peuplent notre cerveau, et qu'ensuite, on achète des produits moins diététiques en toute bonne conscience. Quel que soit le contenu de notre chariot, notre cerveau en a déjà débattu avec lui-même bien avant de donner la parole à la conscience. Noyau à Cubins fabrique aussi garde-mémoire toutes les sensations agréables, montre par une activité accrue que ses gaufres lui plairaient bien. Il sait que nous aimons le sucre et submerge notre cerveau de dopamine. Résultat, on prend les gaufres. Également appelé cortex insulaire, l'insula joue le rôle de trouble fête à chaque fois que nous nous rendons au supermarché. Sans que nous puissions la contrôler, elle s'active quand nous sentons quelque chose de pourri, lorsque nous entendons une blague de mauvais goût, que l'on voit quelque chose de dégoûtant ou un prix trop élevé. Or, lorsqu'elle s'active, pour quelque raison que ce soit, nous n'achetons rien. Plus notre noyau à cubain s'est excité, plus nos chariots se remplissent. Si l'insula prend le dessus, en revanche, rien ne nous fait envie. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne nous décidons pas de façon rationnelle. Nous écoutons juste notre voix intérieure. Au final, celui qui l'emporte est celui qui crie le plus fort dans nos têtes. Et le volume de cette voix-là est congénital. Les cigales ne sont pas moins raisonnables que les fourmis. Elles suivent tout simplement un autre circuit inconscient. Mais cela a aussi de bons côtés. Sans cela, faire les courses nous prendrait des heures, faute de pouvoir nous décider.
Sur le plan de l'évolution, cela n'a pas grand intérêt de réfléchir longuement à tout et de trouver de nouvelles solutions. Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, il vaut mieux être rapide. La meilleure chose à faire, c'est peut-être de prendre sa décision et ensuite de réfléchir de nouveau au problème le lendemain ou dans un autre environnement. En tout cas, quelque part où les influences seront différentes. Si vous prenez la même décision une fois, deux fois de suite, alors vous pouvez être assez sûr que c'est la bonne. Mais il peut arriver que dans une autre situation, vous ne ressentiez pas la même chose parce que vous serez influencé par d'autres facteurs. Mais si vous prenez la même décision deux fois de suite dans des contextes différents, alors vous pouvez la considérer comme plutôt fiable. Impossible de savoir si Martha et Jack seront heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Ce sont des personnages de fiction. Mais même inventés, leur histoire a déjà laissé des traces dans votre tête. Juste parce que votre cerveau a décidé de regarder ce documentaire jusqu'au bout. Chez vous aussi, de nouvelles connexions viennent de se former. Car notre cerveau change au fil des expériences que nous faisons. Et si votre cerveau a trouvé ce film intéressant, alors, un jour ou l'autre, il vous fera vous souvenir de Martha et Jake. Restez avec nous, car dans un instant, un documentaire nous apprendra ce qui fait suer des hommes, au sens propre comme au figuré. Alors, écoutons leurs confidences dans des saunas finlandais.